Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Et on sera là pour suivre ce match plein de potentiel en votre compagnie. Birmingham City contre Wycombe Wanderers. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Un œil sur le 11 de départ de cette équipe. 4-5 ans offensifs ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Les 11 titulaires de cette équipe. Le même schéma en 4-2-3-1 que l'équipe adverse. Ce qui va compter, c'est de conserver l'initiative avec le ballon, ne pas subir les offensives adverses. Thank you. Enjoy the game. Et c'est parti dans ce match. Et pourquoi pas une occasion à venir là, sans problème, dans les bras du gardien. Le geste parfaitement réussi. Ballon facile, évidemment, c'est pour le gardien. L'arbitre laisse l'avantage. Ah, l'appel était bon, mais il y a un souci de timing, hors-jeu logique. Récupéré avec un peu d'espace sur son aile. Le ballon en touche. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ah, la frappe est contrée. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Et ici, l'occasion pour mener. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort aussi même. Et voilà un ballon qui est intercepté. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Aïe, 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 le ballon complètement dévissé, ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté.
ballon donné dans le dos. Allez, hors-jeu signalé par l'arbitre sur cette ouverture dans le dos de la défense. Oui, mais l'appel des balles avait un temps d'avance. La défense ne s'est pas laissée piéger. Dans la moitié adverse. Bien parti dans le dos. Quelle occasion manquée! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. L'arbitre laisse l'avantage. Oh, la faute! Cette faute qui vient interrompre cette action. Ah, ça mérite quelque chose, ça. Et l'arbitre là l'a considéré que cette faute méritait un carton jaune. Et elle a raison. Et voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner. Can John Scott, that's John Scott, please make your way to the ticket office. You have your wife's ticket. Thank you. Le corner. Et voilà, le ballon est récupéré par la défense. La grosse pression et la récupération. Et non, le geste est raté et le ballon passe assez largement au-delà du poteau. Geste pas maîtrisé, ça sort largement. Oui, bien fait ça. C'est dégagé ce ballon. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Et il revient fixé à l'intérieur. Oh non, et comment c'est possible de rater ça? C'était le but d'un 0 en plus. Quelle occasion manquée! Ouais, bonne récupération du ballon. Bonne progression dans le camp adverse. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Tir contré sans difficulté. Le ballon sort, c'est une touche. Les voilà dépossédés du ballon. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 3 minutes supplémentaires. Ouais, bien fait, il est passé. Ah non, la bonne deuxième intervention, bon jaillissement. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre siffle la mi-temps ici.
Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Ah, le drapeau se lève hors jeu, c'est pas évident. Ballon perdu, c'est rendu même. Aïe, 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 ballon perdu. Ah, il se défait la tête adversaire direct. Touche à venir. Excellente intervention, ballon repris à l'adversaire. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon avec Scott. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Qu'est-ce que c'est bien défendu! Ah, ça part très bien. Oh, la position de hors-jeu sur cette bonne occasion. Dépossédé du ballon. Et bien fait, attention à l'occasion. Ah dommage, parce que ce ballon là est gâché. C'est une occasion en or et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand chose à faire là-dessus. La bonne présence au duel, le ballon change de camp. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. Et c'est une frappe! Eh oui, le bon réflexe. Le corner. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Le tir lointain. Tentative lointaine, mais c'est capté sans problème. Ce ballon rendu directement aux adversaires. Attention pour mener au score peut-être. Ah, l'intervention décisive qui permet de soulager la défense. Les deux équipes le savent, marquer maintenant, c'est le moment idéal.
Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. La bonne percée, il faut aller provoquer. Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. Un bon jaillissement pour bloquer le centre et éloigner le danger. Quel tir puissant, mais le but n'est pas dans. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible près du but. C'est peut-être plus difficile encore. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Ah, c'est un ballon mal dosé et ça va être pour le gardien. Ah, sous pression, mais excellente couverture. Oh, ça peut aller au but. Mais oui, bien joué. Belle tentative comme ça à mi-distance. Malheureusement, au tableau d'affichage, rien. Le match est plaisant, mais pour l'instant, les défenses ont pris le dessus. Toujours aucun but et plus que quelques minutes à jouer. Qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Ça y est, c'est la fin du temps réglementaire et donc les deux équipes n'ont pas réussi à se départager.